Il était une fois une jeune fille qui était la plus belle dans la ville des fleurs, mais elle était aussi plus avare que tout le monde qui habitait dans la ville des fleurs. Dans Fleurville, tous les gens avaient de grands jardins avec beaucoup de fleurs. Il y avait une fée qui veillait à tout, particulièrement tout ce qui grandissait dans leur jardin. Un jour, la jeune fille s'est réveillée. Ce soir, sous la lumière de la lune, elle marche sur le pointe-pied à la maison de sa voisine et elle entre dans le jardin, ce qu'elle espère trouver est beaucoup de fleurs. Et à ce moment, la fée entre dans le jardin sur le dos d'une phénix. Que pensez-vous que vous faites? Rien. Est-ce que vous dérobez ces fleurs? Non. Si je vois la même chose encore, vous la regretterez, jeune fille. Il faut que vous m'écoutiez. Ce soir, sous la lumière de la lune, elle marche sur le pointe-pied à la maison d'autres voisins et elle entre dans le jardin, où elle espère trouver beaucoup de fleurs. Et à ce moment, la fée entre dans le jardin sur le dos d'une phénix. Je doute que vous fassiez ce que je dois faire. Que pensez-vous que vous faites? Rien. Est-ce que vous dérobez ces fleurs encore? Non. Afin que vous compreniez, je vous punirai. Jusqu'à ce que ces fleurs meurent, elle n'arrêtera pas de voler les fleurs des autres. Bonjour, bonjour, baby petit oiseau. Et puis, bonjour à mes...
c'est avec mes fleurs. Il est possible que votre avarice soit la raison pour l'amour de vos fleurs. Si vous n'étiez pas avare, vos fleurs vivraient. J'ai dit, si je vois la même chose encore, vous la regretterez. Il est nécessaire de partager avec les autres parce que les belles choses du monde ne sont pas destinées à un seul.